Non, mais là, mesdames et messieurs, DGPNH, là, je dis à la crasé pays d'Haïti, monsieur Souke pays, avec déclaration ça, oui, la police encore une fois, zéro tolérance et chercher bandit dans tout coin, quel que soit côté nous croisons avec examen nan mel, bal sal mérité parce que gen nouveau matériel qui rentre pour PNH là, gen nouveau matériel qui rentre pour Kenya, qui donc nèg yo gen bagay nan men. Et je dis à la, si nous, Nomil Ramon, mesdames et messieurs, et donc responsable force Kenya en Haïti a parlé. Les gars, bah, conférence de presse, ça veut dire, pral gen bagay. Ça veut dire, pral gen bagay. N'y a l'impression que les gars, si contrôle à terre, ou t'as pris, après ça, pour yon agi. Oui. Eh ben, les gars, pral agi. Et donc, pour yon même capable, et, bah, bandi, ça a mérité. Je dis à la, faut que nous deux questions bandi, insécurité dans le pays, ça, franchement, tout le monde s'est peut-être fait mal, tout le monde paniqué, tout le monde gen problème, tout le monde, mesdames et messieurs, s'est démé dans la tête par rapport avec un zak criminel assassin qui a mené dans le pays, ça. Eh bien, Nomil Ramon, monsieur, encore une fois, frappé là, et monsieur, lancé opération zéro tolérance, sans touiller, racher, bouler, craser bandi. Afin, bandi, à ne pas aller ça dans le pays, même, mesdames et messieurs. Et pas oublier, Nomil Ramon, monsieur, t'es là déjà. Nous pas arrêté quoi, monsieur, tourner là pour venir faire jouer, manger tes noms. Nous pas arrêté quoi, monsieur, a quitté le prendre déception, ça encore même, j'en te prendre sous Jovenel Moïse. Je dis à Souvin là encore, zami, bail service. Souvin là, bail résultat, c'est sa population en besoin en mou. En écoute Nomil Ramon pour plus de détails, n'a pas tourné. Les bandas, tout autant soleil pas levé. Qui donc, pas gagné ni jour, ni date pour opération qui gagne pour faire yo. Population seulement bien pour lever le matin et yon tande opération faite et bandits sont stoppés et neutralisés. Chef police Kenya qui là avec nous, général Beaufoy, et tout gros état-major là. Je salue le gros état-major police nationale d'Haïti qui est présent. Je salue la presse par les écrits télévisés en ligne qui viennent couvrir l'événement ça aujourd'hui. Je salue le peuple haïtien. Raison pour le presse aujourd'hui, c'est pour moi présenter la population ensemble planification à faire pour nous aller directement dans l'objectif final, nous, qui c'est démantèlement gagné. Que nous devons agir pressé sur le phénomène insécurité. Dans ce sens, nous avons déjà réalisé plusieurs rencontres avec force conjointe Kenya. Dans l'idée pour nous porter réponse appropriée au standard trilogie opérationnelle. Pour nous aborder d'une façon efficace et efficiente problématique insécurité. Pour raison et stratégie, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail. Claire. Pendant environ 15 jours, un pile monde a posé question sur le travail qu'a fait. Pour moi répondre à la question sérieuse, moi, je voulais faire nous connaître, nous sommes en période d'évaluation avec planification. Pour nous aborder des questions, l'idée pour nous neutraliser les bandits et mettre hors d'état de nuire. Nous avons demandé aux populations d'accompagner la police là, pour renforcer mariage qui désormais porte Tino, mariage population MPT. D'arriver que la presse insiste sur MPPA, c'est mariage, police, population. Pas jamais oublier trinôme ça, qui c'est PNH, MSS et MBP. Nous constatons en pile tractation à faire sur les réseaux sociaux. Moi, je voulais faire nous connaître environ 7 communes qui n'ont pas de présence policière depuis 2 ans. Bâtiment de vie, c'est raison qui la cause. Gagnon attaqué commissariat avec facilité. Espace pour quoi yo? Yo pas ta cap faire résistance à criminel yo. Moi vle pays, diaspora, communauté internationale, connaît. Moi prends disposition en tant que commandant en chef. Pour nous adresser problème ça yo et permettre tout policier retourner dans poste yo. Même genre n'a bataille pour la population retourner la caille. Nous constater que moi te mette yon task force pour récupérer le commissariat agressier et saisi pour première fois
Et on va colonner que bandi a utilisé pour craser l'infrastructure de l'État, particulièrement le commissariat. Je dis, base boy là, renforcée, a campé l'autre côté, et la police là, sous commandement moins, rivé prend contrôle depuis hier soir l'hôpital général. Parce que la rousée taille banda tout autant soleil pas levé, qui donc pas gagné ni jour ni date pour opération qui gagne pour faire. Yo, population actuellement gagne pour lever le matin et yo tande opération faite et bandit stoppé et neutralisé. Pour raison stratégique, nous pas qu'à évoquer qui j'en sais pas le fait. Comprends-moi bien. Même j'en ai un monde qui t'a voulu gagner information sur date d'opération. C'est même j'en gagne qui t'a connaître tout comment on a opéré. Eh bien, nous avons une propre méthode. Nous. Et nous connaissons qui j'en a fonctionné. C'est pour ça que nous venons avec une nouvelle stratégie qui remplace l'ancien, qui est obsolète pour nous traquer les criminels de tous côtés. Présence moins à présent général Kenya et même l'état-major qui l'a, dans le point de presse aujourd'hui, témoignons l'autre fois détermination et leadership, nous comme force l'autre et mission d'appui à sécurité MSS, pour nous faire bandits assassins qui pensaient qu'ils allaient continuer à terroriser la population qu'on aime, que la récréation finie et nous travaillons pour ça. Ça fait un petit temps, tout coûte, que moi reprenne le commandement de la police là. 15 jours, pas 15 mois, ni li pas 3 ans. Moi, je voulais que nous mettions ça en tête. Ma demande la population, pas prendre un traponnage. Moi, rassurer le pays. L'enjeu qui a bien pour venir, porte-parole. Assad, jour jeudi 4 juillet 2024 là. Plusieurs organisations du monde, gagné PYDH, RNDDH, JILAP, Neges Maron et d'autres organisations, nous voyons une lettre ouverte par le Premier ministre sous question impunité, sous gangsterisation pays, sous quantité de dégâts et criminels, terroristes. Qui gagne en tête particulièrement dans la zone métropolitaine Jimmy Cherizier, barbecue, fait à la population, qui fait toute victime ça, tout massacre ça, tout déplacé et forcé ça, toute femme qui violé, et je dis, et si vous faisons un tourné, je me dis où, la presse, dans la zone métropolitaine, ou après, qui quantité de monde, qui abandonné Kayo et qui occupait des espaces, des camps et dans quelles conditions qui a vivre d'ailleurs. Et le Premier ministre Gary Kony a visité quelques camps après, un jour après, il est entré dans le pays. Il est entré le samedi. Le Premier ministre est rentré samedi 1er juin. Et dimanche 2 juin, ils étaient retrouvés en bas de la ville et ils ont dit qu'ils n'ont pas parlé avec eux. Mm-hmm. Et gang yo, bandi yo, c'est terroriste qui est. Ce pas des gens qui ont une revendication sociale, ce pas des gens qui ont une idéologie, c'est des gens qui, des autorités politiques, utilisent yo, et particulièrement PHTK, pour mettre le pays dans l'état qu'il y a. Côté que et pays a crasé à terre plate au connaît en Haïti et tout bagaille concentré dans Port-au-Prince par exemple soit parler des gangs qui occupent les zones métropolitaines dans j'en dis l'introduction à 80% moi même moins 10 c'est 90% dans zone métropolitaine là. Mm-hmm. Et la Tibonite bon parti et dans la Tibonite mais l'autre département a fonctionné. Mm-hmm. Le fait que pouvoir central là c'est Port-au-Prince qui est lié et où pas pays a pas décentralisé
qui donc ça qui a passé dans la zone métropolitaine là il a un gros impact sur tout l'autre département yo, et dans la question et pas plus sécurité non dans la question et situation économique absolument puisque